Bonjour, avec cette petite vidéo, je voulais simplement vous réexpliquer comment on fait pour participer à un concours Facebook lorsqu'il est partagé. Je suis membre d'un groupe qui partage des concours, des bons plans, des tests de produits et toutes sortes de choses. Et j'ai souvent le cas pour les nouveaux membres qui ne savent pas comment on fait pour participer au concours. Ils participent sur les partages, donc forcément, ça n'aboutit pas. Et leur participation est nulle. Donc j'ai beau expliquer avec des captures d'écran, il y en a encore quelques-uns qui ne comprennent pas. Donc je me suis dit que peut-être avec une vidéo, ça serait plus simple. Donc on va se rendre directement sur la page du groupe Wanderlust. Donc là, hop, on y est. Le groupe Wanderlust, Vase, Gigi, mon plan, concours, échantillon gratuit et astuces. Donc sur ce groupe, on partage tous les concours que l'on trouve intéressants et qu'on a envie de montrer aux autres membres. Alors, dans le fil d'actualité, donc vous avez des concours. En voilà un par exemple. Donc on voit bien que c'est indiqué Valérie Sylvie Pirasseret a partagé une photo. Partager, donc c'est un concours partagé. Ce n'est pas moi qui crée le concours. Je ne suis pas l'organisatrice. J'ai simplement posté une copie de ce concours sur la page. Et lorsqu'on veut participer à un concours, il faut participer sous le poste de l'organisateur. Sinon, notre participation n'est pas prise en compte, évidemment, puisque le message ne va pas jusqu'à l'organisateur. Donc, lorsque j'ai ce type de concours, deux solutions. Soit je clique sur la photo, tac, je clique sur la photo. Et là, je me retrouve sur le poste du concours, de l'organisateur du concours. Donc là, en l'occurrence, c'est Michelin. Et donc là, je peux commenter, partager, faire tout ce qui est indiqué. Et lorsque je ferme la croix, je reviens sur mon fil d'actualité. Donc, première solution, je clique sur la photo. Deuxième solution, je vais cliquer sur l'indication de la date qui se trouve ici, sous le nom de l'organisateur du concours. À chaque fois, c'est indiqué. Donc là, je clique sur 6 novembre. Tac. Je me retrouve à nouveau sous le poste originel et je peux participer. Voilà. Donc tous les concours qui sont partagés, ça fonctionne ainsi. Je continue. Marie-France a partagé une publication. Donc à chaque fois que c'est indiqué ça, si vous commentez sous ce poste, c'est la personne qui a partagé qui reçoit le commentaire. Donc votre participation, elle est nulle. À nouveau, si je veux participer, soit je clique sur la photo et je me retrouve sous le concours de cristal cuivre et là je peux participer. Ou bien, je reviens, hop, je clique sur l'indication de la date et l'heure sous le nom de l'organisateur. Voilà. Et ça rame un petit peu. Et là, je me retrouve sous le poste de cristal cuivre qui organise ce concours et je peux participer. Donc ça, c'est tout ce qui est concours partagé. C'est à différencier des concours que je trouve sur mon fil d'actualité. Là, je suis sur mon fil d'actualité. Donc j'ai mes amis concouristes qui partagent des concours et j'ai des organisateurs qui postent des concours. Là, par exemple, il y a Corentine qui a partagé un concours. On le voit parce qu'il y a une flèche. Ça veut dire qu'elle a envoyé ce concours sur le groupe. Donc il faut cliquer sur la photo ou sur la date et l'heure. Là, j'ai Bioplanète. Ce n'est pas indiqué à partager. C'est Bioplanète qui organise le concours. Dans ce cas-là, je peux directement commenter et participer. Si j'ai envie de participer, tac, j'écris et je participe. Et là, je suis au bon endroit. Voilà. Je continue un autre exemple. À nouveau, Corentine. Une petite flèche, Wanderlust. Donc, Corentine a partagé ce concours sur le groupe. Donc, pour participer, si j'écris directement, là, commenter, si j'écris directement, c'est Corentine qui va recevoir mon commentaire. Ce n'est pas l'organisateur du concours. D'ailleurs, il y a quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est que vous voyez bien, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, c'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui ne va pas. Je continue. On va voir si on en trouve un autre. Là, hop, Netto France. Netto France,
Mais on voit bien que c'est son concours, c'est leur concours. Donc là, c'est un petit peu un autre système. C'est pas, il faut participer. Il faut cliquer là, je participe. Voilà, ça c'est le concours de Netto. Un autre, édition J'ai lu. On voit bien que c'est le poste qui a été créé par édition J'ai lu. Donc, si on veut participer, on commente. Bon, là, en l'occurrence, ils disent qu'il faut aller sur la page Instagram. Mais tout ça pour vous dire que si vous commentez ici, c'est bien Édition J'ai lu qui reçoit votre commentaire. Ce n'est pas un concours partagé. Voilà, bah, écoutez, j'espère que c'est un peu plus clair pour ceux qui ont encore des difficultés. Et puis, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous ne comprenez pas. Franchement, ce n'est pas compliqué du tout. Il faut juste bien lire et bien regarder ce qui est écrit. Merci!